I'm the executive director and founder of globethics.net. We have here in the house our offices. We are a sister organization, an international organization of the World Council of Churches. And I'm chairing this, moderating this session on mining, environmental protection and management of natural resources. After my presentation, we will do it in French. So if you don't have earphones, you can still collect one. Just briefly on ourselves, GlobeEthicsNet is a global network on ethics, also with hundreds of participants, almost 500 already in DRC Congo. We also are involved in a larger program with Église du Christ au Congo, ECC. They mandated us to work on election issues, which will be a topic today, so Reverend Milenge. And we signed a contract on the training, formation, d'intégrité, des élections responsables, fiers. We also published a good number of books that you find behind on the table. I counted, I think, already a dozen of books of authors of the DRC or about the DRC, most of them both. So authors and who write about DRC, many on conflict. You find them on the table. We have about four doctoral theses already. So it's a commitment to make visible this also scientific background of our debate. And one is also, or two or three top publications are also on conflicts around resources, water resources, but now we are coming here to mining resources. We published a book on mining ethics, so about the World Mining Congress and issues like that. So here, it's not about mining ethics in the narrow sense, but it's about natural resources and the whole question of relation between natural resources and peace, natural resources and wealth. We are very happy to have distinguished speakers on a panel on that. Before presenting them, let me add one reflection or impression. Whenever I go to DRC, it doesn't escape from my head this impression, this is really the paradise on earth in the sense of wealth. DRC is the most wealthiest country in the world, and you know at the same time one of the most disadvantaged countries of the world, as we heard this morning. Coming from Switzerland, we are one of the most poorest country in the world. We have only water and stones in principle. Huh? No natural resources, nothing to sell, a bit of electricity from water, yes, that's all. But we are one of the most wealthiest, according to GDP, countries in the world. So how does it come? And where is God when it comes to redistribution and distributive justice? Why a country with such a wealth is poor and a country with little wealth is wealthy? And I think I leave the response to you, but this is a challenge we have to face, and it has very much to do with our topic on resources. C'est un grand plaisir de présenter les participants. Le premier sera Paul Mpongo. Paul Mpongo, il est professeur de théologie systématique à l'Université protestante au Congo, UPC. Donc, vraiment au centre de l'enseignement théologique dans cette université vraiment de haute qualité dans le pays. Il est pasteur et aussi représentant légal de la communauté presbytérienne au Congo, à Kinshasa. On a comme deuxième François Mercier. Après ses études en finance, il a travaillé
pour les microcrédits en Afrique, pour la politique financière des œuvres d'entraide pour le prochain Action de Carême. Et il est maintenant le responsable du programme de l'Action de Carême en RDC, donc il connaît très bien la RDC. Et il a aussi travaillé pour les questions mines très fortement sous le point de vue, sur le point de vue éthique et politique de développement. On a comme troisième Félicien Malanda, il est directeur national de développement de l'Église du Christ au Congo, donc le monsieur développement, hein, on pourrait dire, celui qui gère beaucoup de programmes de développement de l'ECC, donc très important aussi dans ce contexte d'Église. Et last but not least, on a Gillian Davidson, qui est Head of Mining and Metals at the World Economic Forum. Le World Economic Forum, basé ici à Genève, vous savez, est très important pour le pont entre les compagnies, mais aussi des compagnies avec la société, les politiciens, la société civile et autres. Et elle est she leads the Multi-Stakeholders Initiative, donc elle est responsable pour faire ce pont, this bridge making. Et elle a aussi travaillé comme directrice de Social Responsibility at Tech Resources, donc elle connaît aussi très bien les points de vue des entreprises. Vous avez la parole comme premier. On va procéder de la manière suivante, deux présentations, après bref discussion parmi vous, après deux présentations et après discussion en plénière. Vous avez la parole. Je me relève ici pour être un peu confortable. Notre exposé s'intitule « Gestion des ressources naturelles en République démocratique du Congo ». La problématique de la gestion de l'environnement et des ressources en RD Congo se pose en termes de déséquilibre entre les besoins d'une population en accroissement exponentiel et un environnement aux ressources en dégradation progressive. Toute dégradation de l'environnement agit de façon négative tant sur l'ensemble des activités économiques que sur le bien-être de la population et partant bloque tout développement qui serait humain et durable. Nous affirmons ici que l'absence d'une politique nationale adaptée et réaliste en matière de gestion des ressources naturelles en RD Congo influe négativement non seulement sur le cadre des vies des citoyens empêchés de participer à la gestion de l'environnement, mais aussi sur l'avènement de la paix et la sécurité en RD Congo. La pollution, l'émission des gaz à effet de serre, le déboisement, la déforestation, le réchauffement climatique, la surpêche et la surexploitation ainsi que le pillage de ressources naturelles font partie des principaux problèmes liés à la conservation et à la gestion de ressources naturelles en RD Congo. La profusion des richesses naturelles, surtout à l'est de la RDC, est la source des divers conflits multiformes en cette partie de la République. Notre communication s'articule autour de trois points. 1. L'état des lieux des ressources naturelles en RD Congo. 2. La politique et stratégie de gestion des ressources naturelles. 3. Défis de la gouvernance des ressources naturelles. 4. Rôle de l'Église dans la gestion des ressources naturelles. 1. État des lieux des ressources naturelles. La RD Congo est un pays qui regorge d'immenses ressources naturelles dans son sol et sous-sol, qui font d'elle un scandale à la fois géologique, hydrologique et forestier au regard de toutes les potentialités en minéral, telles que le diamant, l'or, le cuivre, le cobalt, la cassiterite et le coltan, en forêt, en hydrocarbures, en eau, en environnement, terre et agriculture. Cependant, le décalage entre cette quantité d'énormes richesses naturelles que recèle le sous-sol congolais
Et la misère absolue que connaît la majeure partie de sa population, exclue de la gestion de leur environnement, engendre l'insécurité et la pauvreté de la population, car elle ne profite pas des retombées de cette exploitation de leurs ressources naturelles. À ce sujet, la désappréciation en termes de promotion humaine et économique en témoigne à suffisance. Pire encore, ces ressources naturelles, au lieu de contribuer à l'affermissement de l'international et régional, ainsi qu'à la consolidation de paix et de sécurité d'amour entre la RD et ses voisins, seraient à l'origine de diverses atteintes aux droits humains, droits écologiques, ainsi qu'aux multiples conflits armés, interethniques et régionaux qui troublent l'origine dans l'exploitation illégale et le commerce illicite de ces ressources naturelles. En fait, la responsabilité de cette crise est partagée entre le peuple, le gouvernement, les multinationaux et les répondants locaux, chacun à ce qui les concerne selon ses intérêts. Bien que l'État congolais soit considéré comme le plus reproché dans cette crise, à cause de son laisser-aller sur l'impunité et l'anarchie dans l'application et le respect de ses propres lois promulguées en la matière, nous insistons ici sur la part de multinationales qui, à notre humble avis, endossent une grande responsabilité historique dans la question du pillage et surexploitation industrielle des ressources naturelles en RD Congo. 2. Politique et stratégie de gestion des ressources naturelles. La RD Congo possède des textes légaux et des lois très bien élaborées sur papier en matière de gestion de ces ressources naturelles. Nous citerons la Constitution de la République, le Code minier et forestier, la loi numéro 1009 du 9 juillet 2011 sur la protection de l'environnement, la loi numéro 1403 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, le programme national environnement, forêt et biodiversité, les documents de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, un cadre fédérateur de l'ensemble des politiques macroéconomiques et sectorielles pour le quinquennat du gouvernement congolais qui insiste sur la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles et la gestion durable des ressources renouvelables en vue d'assurer le renouvellement et l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais d'un côté et de lutter contre le changement climatique de l'autre. Ces divers documents offrent à la RD Congo un cadre légal et théorique viable pour la conservation de l'environnement et la gestion des ressources naturelles dans les secteurs agricoles, forestiers, miniers, pour ne citer que ceci. En donnant des directives d'orientation politique, des programmes d'action du gouvernement, des stratégies de croissance pour la réduction de la pauvreté et la promotion du développement durable. En plus, nous relevons ici que la RD Congo a, en plus des lois qu'elle s'est fixées, adhéré à plusieurs conventions internationales en matière de protection de l'environnement et de gestion durable des ressources naturelles renouvelables, telles l'Initiative pour la transparence des industries extractives, en sigle ITIE, et signé certains contrats avec d'autres partenaires. Malheureusement, sur la praxis de l'applicabilité et la vulgarisation de toutes ces dispositions légales, des diverses conventions internationales ratifiées, divers contrats signés, ainsi que la mise en branle des stratégies mises en chantier pour fédérer une gestion saine de ces ressources naturelles, la mauvaise gouvernance et l'anarchie prennent le dessus sur la logique d'une gestion responsable. D'ailleurs, la fraude, la corruption dans le secteur minier et surtout le braconnage et le pillage des ressources naturelles dans les zones sous conflit armés par divers groupes armés locaux et les multinationales, en complicité tacite ou implicite avec les nationaux, privent les populations de vrais moyens de survie. De même, l'exportation des produits miniers, forestiers, pétroliers à l'état brut, sans transformation sur place, prive le pays des ressources importantes en termes de création de l'emploi et de bénéfices pouvant accroître la valeur ajoutée et développer ainsi l'industrie locale des produits plus élaborés. Cette politique actuelle de gestion des ressources naturelles demeure en deçà des attentes de la population. Les réponses adéquates ne sont pas au rendez-vous, car la dégradation des ressources naturelles se poursuit et s'aggrave tandis que la population continue à attendre sans succès les retombées économiques de l'exploitation des ressources naturelles promises par le gouvernement congolais à travers son plan
quinquennale qui malheureusement touche à sa fin en 2015. Le secteur minier extractif ne porte seulement qu'à 20% au bien national. Il importe de signaler que cette politique de gestion des ressources naturelles, aussi bien que les textes législatifs réglementaires, sont peu ou pas appliqués à cause de leur faible vulgarisation. On assiste aujourd'hui à la surexploitation de certaines espèces animales ou végétales, ainsi qu'à la forte pression due essentiellement à l'agriculture itinérante sur le brûlis des techniques de pêche destructives et à la collecte des combustibles ligneux, entraînant la dégradation des habitats naturels, en rendant précaire la pérennité des espèces. La pollution multiforme des eaux et de l'environnement, les conflits interethniques et armés à l'est de l'ère du Congo, avec soubassement la convoitise et le pillage de l'or, coltan et d'autres minerais par les pays voisins, seuls ou en complicité avec les prédateurs nationaux et multinationaux, ainsi que les intouchables dans le système politique injuste en place, tels les hauts dignitaires militaires, gouvernementaux et parlementaires engagés dans la corruption et le commerce illicite pour s'enrichir et perpétuer leur caste. Le Global Witness, dans son rapport sur le pillage et l'exploitation industrielle des forêts de l'air du Congo, par des prédateurs étrangers en complicité avec l'État congolais et d'autres hauts cadres politiques, militaires, policiers, ainsi que les services d'immigration, de mines et de sécurité et d'enseignement, voire des exploitants artisanaux locaux, n'aménageaient d'aucun effort pour dénoncer le phénomène de l'octroi de permis d'exploitation frauduleuse, non seulement des forêts, mais aussi des aires et des espèces protégées comme un facteur dévastateur qui gangrène la gestion des ressources naturelles en RD Congo, renforçant les injustices, la corruption, l'insécurité, les viols et les violences sexuelles, les violations des droits humains et écologiques, aussi bien que la paupérisation du peuple congolais. L'exploitation et le commerce des ressources naturelles continuent à jouer un rôle non négligeable dans l'insécurité au niveau local et régional, justifiant les mesures spécifiques pour pallier à ces situations de stress et à l'allemand. Malgré de multiples rapports sur cette crise dans ces domaines, la réponse de la communauté internationale reste limitée. Certains groupes armés qui s'improvisent à l'est de la RDC Congo, dans les territoires miniers tels le M23, s'évertuent à tisser des alliances avec des groupes armés locaux dont le contrôle des sites miniers n'est pas à démontrer. Certaines de ces alliances ont d'ailleurs été tissées avant l'intégration en mars 2009 de l'ex-NDP au sein de la FRDC. Il est important de noter que le phénomène de minerais des conflits n'a totalement pas disparu de la RDC. Malgré la récente défaite du M23, les opérations militaires conjointes à l'encontre de la FDC et de APCLS, la situation devient de plus en plus désastreuse. 3. Défi de la gouvernance des ressources naturelles. Les défis majeurs auxquels le pays est confronté relèvent surtout la responsabilité du gouvernement congolais en matière de bonne gouvernance, du respect de l'applicabilité et de la vulgarisation des textes légaux et des lois qui existent d'ailleurs très bien élaborés, qui régissent le secteur de gestion des ressources naturelles. L'ère du Congo doit maîtriser sa politique d'exploitation. Rôle de l'Église dans la gestion. La mission prophétique de l'Église est de promouvoir le progrès du peuple plus pauvre, favoriser la justice sociale entre les nations, offrir à celles qui sont moins développées une aide telle qu'elles puissent pourvoir elles-mêmes à leur progrès, car la justice et la paix est le nom et le programme d'un développement intégral et durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mpongo. On aura l'honneur de discuter vos points de vue importants, mais on donne d'abord le mot à François Mercier. Merci, Christophe. Bonjour à tous. Botte in ambino. Je voulais vous parler d'une étude que nous avons faite en République démocratique du Congo sur la société suisse Glencore et comment elle
partir du profit des ressources naturelles au détriment des droits humains, de l'environnement et du développement économique. Alors, bon, la RDC, je pense que je n'ai pas besoin de vous parler beaucoup de la RDC. Le présentateur précédent a déjà expliqué beaucoup des problèmes auxquels le pays est confronté. C'est juste quand même, moi, ça me frappe aussi toujours, à chaque fois que je voyage 2-3 fois par an dans ce pays, de voir des paysages magnifiques, des ressources, une population heureuse aussi, et en même temps de voir la souffrance, les problèmes de développement. J'ai juste mis ici l'indice de développement humain des Nations Unies, c'est le Congo est l'avant-dernier pays sur la liste, malgré des ressources, du diamant, de l'or, du cuivre, du cobalt, du coltan, du bois tropical, du pétrole, etc., etc. Ça me frappe aussi toujours. Juste 2 statistiques à propos de la RDC et la Suisse pour visualiser un peu ce problème. Si on regarde le budget de cette année de l'État congolais, c'est à peu près 8,9 milliards de dollars. Par comparaison, le budget du canton où vous vous trouvez, Genève, est à peu près 8,4 milliards de dollars, à peu près la même chose au taux de change actuel. Et donc, moi j'imagine à chaque fois la complexité pour l'État de gérer un pays qui a presque 60 fois la taille de la Suisse, avec un budget qui n'est même pas le budget du petit canton où vous vous trouvez ici. Une autre statistique, c'est pendant que je parle 5 minutes ici, nous, les Suisses et Suissesses, avons acheté 26 ordinateurs, tablettes et autres, et 21 téléphones portables. Et je dis les Suisses et les Européens en consomment tout autant aussi. Et je pense que tant qu'on ne thématise pas aussi cette surconsommation de notre part des ressources naturelles, on ne va pas non plus arriver à résoudre ces problèmes à l'autre bout de la chaîne. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment, ça met une pression énorme sur l'exploitation des ressources naturelles. Ça devient une guerre économique, une guerre pour l'accès aux ressources. Voilà, juste pour mentionner 2 points sur la RDC. Maintenant, si on va sur la Suisse, donc nous avons étudié le groupe Glencore, dont vous avez peut-être entendu parler, 3e groupe mondial dans le domaine des matières premières, produit à peu près toutes les matières premières possibles, contrôle toute la chaîne d'approvisionnement depuis la production jusqu'au négoce international. Chiffre d'affaires l'année dernière de 121 milliards de dollars. Là aussi, comparer ça avec le budget de l'État du Congo, 8,9 milliards de dollars, vous voyez le rapport de force aussi. Présence dans plus de 50 pays, vous voyez sur la carte. En ce qui concerne le Congo, la RDC est un pays stratégique pour Glencore. Il faut savoir que grâce à la RDC, Glencore peut produire 1/5 du cuivre qu'il vend et 4/5 du cobalt qu'il vend. Donc, ça joue un rôle très important. Ils ont des taux de croissance énormes ces dernières années dans la région du Katanga. Voici donc pour le groupe Glencore. Maintenant, de retour au Congo, nous avons été dans cette province du Katanga, Kolwezi, Likasi. Je ne sais pas si ici il y a des Congolais qui viennent de cette région. Il y a des gens de Lubumbashi, Kolwezi, non? Mais vous connaissez certainement. Et Glencore, il y a 2 filiales qui s'appellent Kamoto Copper Company et Mutanda Mining. Nous avons fait 18 mois de recherche. C'est la 3e étude qu'on fait sur Glencore. Nous avons étudié donc les aspects environnementaux, droits humains et aussi économiques sur l'exploitation des ressources naturelles. Ils y produisent du cuivre et du coltan. Et on a publié l'année dernière un rapport. Vous trouvez des copies de ce rapport là au fond, qui ont été mis à votre disposition, ou bien sur notre site internet. Nous avons travaillé donc avec Pain pour le Prochain, notre équivalent protestant en Suisse, et une ONG anglaise qui s'appelle RAID. Et donc, nous avons étudié ces 3 aspects, environnement, droits humains et économie et impôts. En ce qui concerne l'environnement, en fait, c'est intéressant. Il y a 2 aspects. Il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Louilou et un autre aspect qui est de réserve de chasse. On avait déjà fait une étude en 2012. On avait révélé que l'usine de Glencore rejetait de l'acide directement dans le fleuve Louilou. Vous voyez les images. Mon collègue congolais qui a prélevé des échantillons, il s'est presque brûlé la main tellement l'eau était acide et pleine de polluants. Et ça a fait un scandale, c'est sorti à la télévision. 4 jours après, Glencore nous dit « Ah voilà, on a résolu le problème, ça faisait des années qu'il polluait, hein. Mais voilà, 4 jours après, regardez, il n'y a plus de pollution. » Ah ben, très bien. Alors on est retourné voir en 2013, on a fait des mesures là où vous voyez les flèches. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bon, d'une part, Glencore a simplement détourné les effluents,
Donc ils ont construit un canal pour éviter que ça tombe au même endroit, mais ça tombe simplement un peu plus loin. Alors ils ont bien supprimé le problème de l'acide, mais il y a encore énormément de substances polluantes dans l'eau, du cuivre, du cobalt, et vous voyez les rives ici qui sont extrêmement polluées. Et j'ai eu des informations récemment qu'il y a de nouveau des pollutions, donc le problème ne semble pas être résolu. Une autre chose, c'est qu'ils exploitent dans une réserve de chasse, qui s'appelle Bascando, ce qui est interdit. Donc vous voyez avant l'exploitation, vous voyez ensuite, tout est dévasté. C'est une réserve où il y a des animaux rares comme les hippopotames, d'autres espèces en danger d'extinction. Alors, ce qui est étrange, c'est que l'État congolais a accordé une concession à Glencore dans cette réserve, ce qui normalement est interdit d'après la loi congolaise. Donc comment est-ce que l'État a accordé cette concession? Je ne sais pas. Mais Glencore se défend en disant « Ah ben voilà, nous on a reçu une concession, c'est pas notre faute ». Mais bon, faudrait-il que nous on trouve que c'est une approche pas très responsable. Au niveau des droits humains, il y a eu beaucoup de violence. Mais il faut savoir que c'est un problème compliqué parce que vous avez une police des mines, mais la police des mines, elle est payée par les entreprises. Et normalement, ben oui, elle devrait agir de manière responsable, mais il y a eu plusieurs cas de victimes et de personnes tuées sur des concessions appartenant à Glencore. Nous, on pense que Glencore n'a pas respecté les principes de l'ONU sur la sécurité et les droits de l'homme. La pollution aussi est très peu consultée. On a fait beaucoup de discussions avec les gens. Vous voyez ici les mines, mine Kov, mine T17, et la cité de Moussonoï qui est juste à côté. Elle aurait dû être évacuée, les gens relogés ailleurs. Ça n'a jamais été fait pour épargner des coûts. Et les gens vivent dans des conditions misérables, leur eau est polluée, ils ont de la poussière, des explosions juste à côté du village, des routes d'accès coupées, etc., etc. Enfin, le dernier point que nous avons étudié, c'est le problème de l'évitement de l'impôt. Un petit peu plus compliqué, s'il faut étudier un peu la structure du groupe. Vous avez une société internationale, Katanga Mining Limited, qui appartient aux trois quarts à Glencore. Glencore contrôle toute la production et contrôle aussi toutes les opérations. Maintenant, vous avez en bas une société qui s'appelle KCC, qui est la société enregistrée au Congo, qui appartient à 25% à l'État. Et entre deux, vous avez toute une série de sociétés boîte aux lettres qui sont enregistrées dans des paradis fiscaux, les îles Vierges britanniques, Guernsey, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la société au Congo fait systématiquement des pertes. De 2008 à 2013, elle a quadruplé son chiffre d'affaires, ça produit énormément, mais elle ne fait que des pertes, des centaines de millions de dollars de pertes. On se dit, bah, comment est-ce qu'un investisseur international s'intéresse à investir dans quelque chose qui fait que des pertes? Et en fait, c'est dû au fait que la société paye d'énormes charges, des dettes et autres, aux sociétés situées dans les paradis fiscaux. Et par contre, la société qui est également dans un paradis fiscal, si on regarde ses résultats, ils sont principalement positifs. On a étudié jusqu'à 2013, mais j'ai regardé encore l'année dernière, ils ont encore fait 63 millions de dollars de bénéfices. Donc vous avez une situation où on déclare les pertes au Congo pour déclarer les bénéfices dans les paradis fiscaux, évidemment, ils ne sont pas taxés. C'est relativement légal, quand il y a des détails, mais la question surtout, c'est est-ce que c'est légitime, quoi. Alors bon, Glencore paye d'autres impôts, des redevances, des royalties, mais en fait, ils évitent de payer comme ça de l'impôt sur le bénéfice. On a calculé sur ces 5 ans que nous avons étudiés, ils ont évité de payer 134 millions de dollars d'impôt sur le bénéfice et 20 millions de dollars de dividendes à l'État. Ce qui est intéressant, c'est que l'État est aussi actionnaire et donc ils ont aussi des gens dans le conseil d'administration de cette société qui valident ces politiques de transfert de bénéfices à l'étranger. Vous pouvez faire le calcul, 134 plus 20, ça fait 154 millions de dollars pendant cette période. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai comparé ça à l'aide suisse au développement. Pendant la même période, la Suisse a versé 58 millions de dollars d'aide au développement à la RDC. Et pendant ce même temps-là, Glencore évite de payer 2,5 fois plus d'impôts à l'État. Et donc, bon, c'est un petit la question aussi pour nous, est-ce qu'il faut plus d'aide au développement ou est-ce qu'il faut que les sociétés payent les impôts? Non. Maintenant, évidemment, même si Glencore payait correctement ses impôts, ça ne veut pas dire que tous les problèmes seraient résolus. On connaît la situation des régies financières en RDC. C'est pas facile, mais néanmoins, il faut quand même arriver à un système où ces bénéfices puissent être taxés avant d'être transférés comme ça aux investisseurs internationaux. Voilà le problème de l'évitement de l'impôt. Et alors, pour terminer,
Donc, comme je dis, vous trouvez cette étude ici. Maintenant, évidemment, c'est un problème qui affecte beaucoup de pays, pas seulement la RDC. Ce que nous, on essaie de faire, on pense qu'il faut agir au niveau national et international. Sur place, on fait des formations, on sensibilise la population sur leurs droits. Il faut améliorer la gouvernance des ressources naturelles, c'est sûr. Nous exigeons aussi la transparence des flux financiers pour qu'on sache combien d'argent va où. Et enfin, nous avons lancé en Suisse une initiative pour la responsabilité des entreprises multinationales pour que Glencore soit aussi responsable des agissements de ses filiales. Et pour terminer, je voulais juste montrer cette photo d'un village du Sankuru où j'ai été il n'y a pas très longtemps. Et nous soutenons aussi des associations qui ont des caisses de solidarité. Donc on montre aux gens comment mieux produire, comment vendre, comment épargner un peu d'argent. Et cette dame là qui a une magnifique coiffure montrait donc sa caisse où le groupe avait épargné 22 dollars. Et quand j'explique aussi aux gens combien de millions de dollars en même temps sortent du pays, voilà, je pense que les gens sont assez choqués. Et je trouve que c'est important que tous ensemble aussi, on travaille aussi sur cet aspect, la gouvernance des ressources naturelles. Merci. Merci beaucoup François pour cette étude précise et aussi en durabilité. Dans plusieurs années, hein, ce n'est pas une action, disons, spontanée, c'est un engagement à long terme. Avant d'écouter les deux autres intervenants, j'aimerais vous inviter juste deux à deux qui sont assis à côté de discuter juste 4-3 minutes. Quelles, selon vous, seraient les priorités d'attaquer? Vous avez entendu les questions environnementales, de taxation, de gouvernance, de loi, d'éthique, quand il s'agit de légal et légitime. Où est-ce que vous pensez qu'il faudrait commencer? Avec quelle priorité? Juste entre vous, sans partager avec le public, 3 minutes. De discussion.
Oui, est-ce que je peux vous prier de vous arrêter? C'est qu'un taste, hein? Teaser. Donc, après, on aura la possibilité de parler plus avec les questions. On entend la troisième présentation de M. Félicien Malanda du point de vue développement. Merci beaucoup. Vous avez la parole 10 minutes. Merci beaucoup. Il nous a été demandé de travailler ou de présenter comment mieux gérer les ressources naturelles de la RDC pour son développement. Ce texte fait suite aux interventions qui viennent d'être faites ici. Donc, vous allez voir que ça ne fait que compléter les exposés qui ont été présentés par mes prédécesseurs. Le plan de notre exposé est le suivant. Il y a une introduction. Le deuxième point, c'est l'aperçu des ressources naturelles. Le troisième, l'apport des ressources naturelles dans le budget de l'État. Le quatrième, les défis actuels de la gouvernance des ressources naturelles en RDC. Le cinquième, quelques recommandations, propositions que nous comptons faire à l'occasion de cet atelier. Et il y a la conclusion. En termes d'introduction, il a été dit depuis le début que notre pays est un pays post-conflit. C'est un État fragile et cet État dispose d'un potentiel énorme en termes de ressources naturelles, comme on l'a dit. Ce potentiel de ressources contraste avec le degré avancé de la pauvreté. Ces ressources sont à l'origine des convoitises des puissances extérieures depuis la conférence de Berlin jusqu'à ces jours, avec des relais et complicités internes. Elle justifie la récurrence des conflits armés dans notre pays. Dans une situation normale, les revenus considérables procurés par leur exploitation devraient normalement permettre au pays non seulement de se constituer une richesse appréciable, mais aussi d'engendrer le progrès économique et social et de contribuer à la réduction de la pauvreté. L'aperçu des ressources naturelles, on l'a dit, mais la répétition est toujours importante. Nous avons différentes sortes de ressources naturelles. Les ressources forestières, par exemple, où la RDC comporte 135 millions d'hectares qui couvrent plus de la moitié du territoire national, dont 60 millions d'hectares pour la production de bois. Et là, il y a 750 espèces d'essence. Le bassin du Congo est classé deuxième poumon de la planète, d'où la forêt de la RDC est un enjeu planétaire. 60% de la forêt du bassin du Congo. La RDC détient 8% du carbone stocké dans les forêts vivantes au niveau mondial. Il n'y a pas que ça, il y a les substances minières. Toute une variété des minerais. Il y a, des substances minières, toute une variété des minerais, or, diamant et autres. Et cela est évalué à 24 000 milliards de dollars, la valeur des minerais de notre pays. Il y a également les gisements pétroliers avec trois bassins pétroliers, le bassin côtier avec 60 000 km², la cuvette centrale avec 800 000 km², le rift est africain avec 150 000 km². Il n'y a pas que ça. Nous avons aussi les ressources hydrographiques avec un réseau très dense qui a 80 000 km². Et nous avons le fleuve Congo qui a 4700 km, qui est le cinquième fleuve au monde par sa longueur. Il y a le potentiel hydroélectrique avec toute la puissance qu'il y a à partir du site d'Inga. Mais
comme nous l'avons dit, ce pays est caractérisé par la pauvreté. Ici, nous avons présenté une illustration d'une école dans un village du territoire de Bikoro. Jusqu'à ce jour, c'est une photo récente, nous avons encore de pareilles infrastructures scolaires. C'est en Nkake. Nkake se trouve dans le territoire de Bikoro. C'est une très grande région productrice de bois, avec beaucoup de ressources qui sortent. Voilà une salle de classe. Jusqu'à cette heure-ci, nous avons encore des classes qui se présentent de cette manière-là, où les élèves n'ont même pas de banc où s'asseoir, alors que c'est une grande région productrice de bois. Ça veut dire que les revenus de bois ne permettent pas d'améliorer les conditions sociales, d'améliorer les conditions d'éducation de la population. Maintenant, pour que les ressources naturelles puissent favoriser le développement, elles doivent apporter une contribution substantielle dans le budget de l'État, parce qu'il appartient à l'État d'organiser, n'est-ce pas, toutes ces recettes et de les redistribuer à travers différentes actions de développement. Les recettes issues des ressources naturelles, des ressources dans le budget de l'État comprennent différentes sortes de fiscalité, fiscalité directe, le pas de porte, la parafiscalité et la fiscalité particulière. Il y a, avec tout ce que nous venons de dire, d'énormes défis de la gouvernance des ressources naturelles. Il est clair qu'il se pose un problème de la gouvernance des ressources naturelles pour que celles-ci puissent contribuer effectivement au développement de notre pays. Parmi les défis, nous avons une exigence de la Constitution qui dispose que tous les Congolais ont droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. La maîtrise de la politique d'exploitation des ressources naturelles, c'est un grand défi. La compréhension et le monitoring des différents contrats, comme on l'a dit aussi, ou les conventions des ressources naturelles. La fiscalité responsable et les chaînes de valeur. Par rapport à la fiscalité, nous dénonçons, il y a de gros problèmes en ce qui concerne le coulage des recettes. Les recherches qui ont été menées démontrent que il n'y a que 10% des recettes réalisées sur l'ensemble du territoire national qui rentrent dans les trésors de l'État. Si aujourd'hui nous avons par exemple un budget de 8,9 milliards, dont à peu près 4,5 milliards ou 6 milliards constituent des apports propres, il faut dire que les 4 milliards qui sont prévus ne sont même pas réalisés à la fin du programme. Si nous disons qu'il y a à peu près 3 milliards qui rentrent, ça veut dire que le pays a la capacité de mobiliser 30 milliards de dollars au minimum si le système national de paiement est bien organisé, si on peut arriver à boucher ne serait-ce que la moitié de toutes les fuites. Alors, il y a des recommandations en face de cette problématique. Nous proposons ici la mise en place et le renforcement des mécanismes de sensibilisation, d'éveil de la conscience et des capacités dans les églises en vue d'aider la population à s'assumer comme citoyen responsable. La promotion et la participation effective dans les cadres de concertation qui ont été mises en place. La mise en place des mécanismes de réflexion, d'observation, de monitoring et de participation à différents niveaux de nos églises. Ici, nous parlons comme recommandation, soutien à un observatoire citoyen d'analyse sociale et économique qui est en cours d'être mis en place. Les églises devront développer les capacités pour que les populations riveraines des différentes ressources puissent être premières bénéficiaires. J'ai fait l'illustration de cette école qui se trouve dans la province de l'Équateur
qui est la première province productrice de bois. Il y a un travail de lobbying, de plaidoyer qui doit être fait, à notre avis, et il faut mener un plaidoyer pour l'application de la loi Dodd-Frank relative à la traçabilité des matières premières. Ensuite, nous pensons que la communauté œcuménique devra s'engager dans un plaidoyer pour le développement des initiatives de certification des ressources. Il faut généraliser les procédures existantes pour une consultation systématique des populations locales affectées par des activités d'exploitation. Il est aussi utile d'encourager l'intégration dans la législation concernée du principe du consentement. Ici, pour l'Europe, nous savons qu'il y a des discussions au niveau de l'Union européenne pour rendre contraignantes certaines clauses qui obligent les multinationales. On vient de nous citer ici Glencore, mais il y a un problème pour que les dispositifs législatifs soient contraignants vis-à-vis des multinationales qui exploitent les ressources au niveau de notre pays. Donc, en titre de conclusion, pour que les ressources naturelles puissent favoriser, puissent être un vecteur du développement de notre pays, les actions doivent être menées à l'intérieur du pays, c'est-à-dire améliorer la gouvernance, rendre capables nos populations à pouvoir jeter un coup d'œil sur ce qui se produit. Il y a aussi un travail à l'extérieur, au niveau de la communauté internationale. La problématique des ressources naturelles postule aussi de l'obligation de la révision des contrats et de l'application des recommandations. Il y a des contrats qui ont été signés. Malheureusement, il est difficile pour que ce contrat soit revu, parce qu'il y a des pesanteurs à l'intérieur et aussi des pesanteurs à l'extérieur du pays. Il est important que nous puissions insister dans le travail de plaidoyer à ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises dans les milieux où ces entreprises interviennent. Il est important que nous puissions inscrire ce travail pour que le plaidoyer au niveau externe soit fait à partir des alliances stratégiques qui sont en train d'être construites à partir de ce travail au niveau du mouvement œcuménique. Nous pensons que nous pouvons atteindre la communauté internationale pour mieux fixer sur les responsabilités sociales des entreprises qui travaillent sur l'extraction minière. Et enfin, nous pensons qu'il est important qu'on puisse soutenir un plan stratégique de la reconstruction et le développement des églises tel que formulé lors de la pré-conférence. C'est vrai que le temps manque pour exploiter ce document, mais il serait intéressant que les discussions soient engagées pour voir comment est-ce qu'on peut travailler sur les différents axes de ce plan stratégique. Le premier axe qui a été formulé, c'est l'appui aux activités agricoles. Deuxième axe, appui à la justice économique. Troisième axe, participation de l'Église dans la démocratisation et la promotion de la culture de la paix. Quatrième axe, accès aux services sociaux de base. Cinquième axe, gestion durable de l'environnement, changement climatique et gestion des ressources naturelles. Sixième axe, la pastorale de développement. Septième axe, le renforcement des capacités. Et huitième axe, la mobilisation des ressources pour que nous puissions voir comment est-ce que l'Église peut mener des actions de 2015 à 2021. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Félicien. Félicitations pour Félicien.
pour cette présentation précise dans le sens où vous avez déjà toute une série de recommandations concrètes et je suis sûr que ça va servir les deux jours à venir parce qu'il y a aussi un lien qu'on aura cet après-midi avec les élections, gouvernance, quels sont les élus qui renforcent le gouvernement, la gouvernance que vous avez mentionnée, mais on va y revenir. Maintenant, avec vous, on va entendre, écouter la question des entreprises de nouveau, Gillian. Donc, ils sont bienvenus s'ils investissent et une fois qu'ils sont là, ils sont critiqués. Comment le faire? Merci. My apologies, I'm switching into English, so if you need to put on your headset. Merci. Thank you very much. It's an absolute privilege and honor to be here today, and especially with such a distinguished audience. I work with the World Economic Forum. For those of you not familiar with our organization, we are the International Organization Committee to Public-Private Collaboration. And our mandate is to leverage that type of collaboration to improve the state of the world. And we do that across all regions, across all types of industries, and across the main global challenges that we face today. As part of that, we actually feel that the role of the private sector and the role of industry has a really important place to play in the achievement of those goals in terms of improving the state of our world. And in my position, that is working with the mining and metal sector globally, regionally, and often in country. The upside of the extractive sector is that you don't see many other industries is that they are in every country of the world almost, they are in the poorest countries of the world, and they are in the most remote areas of the world, and they stay for decades. There's not many other private sector industries where actually that can present an opportunity. With all, you know, absolute respect, today I want to try and also frame it around what is the opportunity of having the extractive sector within a nation. And the work that we do is about how can that be developed responsibly, how can it be developed sustainably, and in an inclusive manner for all. I also want to say a little bit about the mining sector itself. It's obviously vast. We've talked about multinationals, we've talked about small-scale artisanal mining, and we have everything in between, especially in the DRC. But I also want to say that the mining sector has gone through huge change, and that's very important, I think, for your discussions going forward to understand what some of that change means and some of the opportunities that it can present for you and for nations going forward. We've seen huge increase from 2002 to 2012 in investment in the mining sector. No surprisingly, that's also resulted in a lot of conflict and an increase in conflict. But we're currently at a crisis in the extractive sector with very low commodity prices, with constraints in costs and very low investment, and we're seeing a real contraction of the sector, and therefore we're seeing projects ending, we're seeing companies pull out, we're seeing investment not flowing. But as a result, we're also seeing a forced transformation within this sector. I had a really good conversation with Francois about what kind of cultures are emerging within the mining sector at the moment. And we really are seeing an internal conversation within the community, within the mining sector's community, about what does this mean as we go through thinking about economic benefits, geopolitical change, and societal sharing. We've also seen a shift in the way that the mining sector is starting to listen. And I want to flag this because I think important, especially in this audience, and there was two ecumenical days of reflection on mining hosted, one at the Vatican and one at Lambeth Palace. And I think that was a really important signal from the mining sector of wanting to hear about themselves, about how others see them, how they need to see themselves, how they need to operate in a different way. And there was a very positive conversation in those rooms and a commitment moving forward. So I think it's important to situate ourselves as I take a step back in terms of what the global mining sector is doing at the moment. But as I said, there is also huge turmoil and conflict. In Peru this week, there was four deaths at the Tia Maria mine in southern Peru. The leading cause of conflict that we see is around environmental issues globally. That's also tied up in access to economic benefits. It's also tied up in health and safety. And we've talked about all of those things today. There are primary and secondary causes. They influence each other.
and there's lots of flashpoints that can trigger those. It's very complex, it's very contextual, as you know. And obviously we see it more in the most vulnerable areas of the world. Trust is key, and trust is absolutely at its bottom for governments, for the private sector, even for international organizations. Civil society is one of the main sectors in the world that maintains that trust. In terms of the benefits, this is where our work at the World Economic Forum really is trying to look at that point between how can we harness, how can we leverage those benefits across nations and globally for different groups. The extractive sector in Africa alone contributes $382 billion to African GDP. There is $17 trillion of investment needed by 2030 to meet our global demand for what we consume, our phones, our cars, our infrastructure. There's also the possibility with that to leverage 540 million people out of poverty. And that for me is the huge, huge opportunity that we have if we can create opportunities to share those benefits. We're also 2015 is also a really important year as it's the year of the post-2015 development agenda. We'll see the Sustainable Development Goals released in September. And mining and metals and the extractive sector touches on all 17 of those goals. So is there an opportunity for the sector actually to be part of achieving those goals? But in terms of ensuring that, we need an enabling environment, and we've heard from our speakers today about that. And how do we create that enabling environment? And this is where the role of civil society is absolutely key, and our commitment that multi-stakeholder processes are really the only way that we can harness benefits across groups and be inclusive. That requires civil society groups who, as I said, have that huge influence with the trust base that they have to play a key role. We often have shared agendas of change across the stakeholder groups. Are there areas where we can work together? Are there areas where we can broker relationships? Are there areas where we can build capacity? And I think one of the big aspects that we see, especially as we try to work across governments and civil society and private companies, is the difference in the time frames that we operate in. Governments are on an election cycle, often a very short-term one. Companies are there for decades. Communities are there for generations. How do we bridge the dichotomy there? But I would also say that companies, from what we've seen, want guidance. They want to do things differently in many situations, but they don't know how to. And I think there's a huge opportunity to leverage that. We've already heard about some of the global responses to these challenges. The Extractive Initiative Transparency Initiative is absolutely a key one. Transparency about revenues, openness, talking about corruption, publishing what you pay to governments is absolutely essential, but it's really, really hard to implement, and we've heard that as well. So how can we ensure that these really important processes can actually be implemented at a national level on the ground, and therefore we can achieve those benefits? There are lots of other things going on globally. One thing that's just emerged last year was something called the Development Partnership Framework, and that's a partnership between Oxfam, the International Interfaith Investment Group, which is a large faith investor, and Anglo-American, a large multinational mining group, who basically, in dialogue with one another and actually coming out of the ecumenical days of reflection, saw that mining needs to change. There needs to be that transformation, and how can we do that? And how can we work together to achieve that? So at the end of last year, have created a space to actually create that dialogue at a global level and really start to influence the global mining sector. At the World Economic Forum ourselves, we have our annual meeting in Davos, and this year we convened a dialogue between civil society leaders and mining CEOs, Glencore being part of that. And there was an absolute appetite in the room to sit down together, and there was a mandate given to us to create a platform to share across civil society and mining CEOs on the challenges, on the opportunities, and are there critical issues where actually we can work together and we can move the needle, especially as we move into this post-2015 development year. And the work that we're doing ourselves at a national level, we work on an initiative called the Responsible Mineral Development. And what happens there is that we, in country,
convene multi-stakeholder national level dialogue. In Africa, for example, the Africa Mining Vision sets a clear pathway for countries around their own country mining vision, and our Responsible Mineral Development Initiative has actually been embedded within that. And that the starting point of that is we see everything differently. We have different perceptions of what the benefits can be. We have different ideas of what the value can be extracted or not. And how do we actually come to a common understanding and a shared priority as we move forward in this very, very complex environment? That concept of dialogue we have found is absolutely critical. And I think, again, in terms of thinking moving forward, how do we create spaces for dialogue? Most of you have seen on the ground in many areas around the world, you know, huge tragedies in the mining sector. There's also huge opportunity and benefits. I've recently been working closely with in Guinea around the Ebola response and the mining sector. Interestingly, the mining sector mobilized together before the UN mobilized in response to Ebola. They managed to keep their people safe. They managed to build resilience in the health system. They managed to leverage the skills and capacity that they had. But there is a long way to go. It's the start of a conversation. I think that perceptions are diverse, but if we can find some shared goals around benefits and really leveraging that value, we can start to bring it to the poorest people in all countries. Dialogue and trust are critical. The mining sector needs guidance, and it is looking for guidance. How do we connect the local to the global? We also just had a great conversation about the differences between what happens on the ground and what happens in these boardrooms, and how do we connect that? How do we play an advocacy role for the communities that we represent? How can we be a voice? How can we be a watchdog? And how can we sit in those boardrooms in order to independently observe and to provide guidance for those organizations? So I provide that perspective as an outsider of what we see within the more global mining space, because I hope it will stimulate some conversation about as you move forward thinking about the Congo. Thank you. Thank you very much, Gillian, for these insights and also showing the different platforms of engagement, of dialogue that exist and should be further strengthened and developed. Before I open, may I add one information? I was at the conference last week in Tunis, where the president of the World Commission on a new ISO standard against corruption and for transparency was speaking. The 37001 standard is in preparation and should be launched in June 2016, so in a year from now. And I mention it because it shows that if companies will sign, and there will be a huge pressure to sign it, then contracts can be annulled if afterwards corruption is discovered. So that would be an additional instrument in addition to the ETE and other standards that you mentioned. Now the floor is open, but I would like to ask you permission to extend a little bit. We started 12 minutes late, so if we extend 7 minutes, you gain 5 minutes, if you agree. So about 15 minutes from now. And then, of course, we have lunch upstairs. I propose that we concentrate these few minutes of 15 minutes we have a bit on the question of strategies. You mentioned recommendations. You had recommendations. What are the steps that could be done more than just the analysis? We could have a lengthy analysis of facts and figures, but I think this consultation aims at looking at what can be done and also what is the role of churches in all that related to the mining sector, related to peace and development. Who wants to raise a question, one, and mention your name? You have a micro there. 1, 2, 3, 4. 5, and then we hear the plan. Yes.
Thank you. My name is Nyara Zai. I'm the General Secretary of the World YWCA. I want to thank the panelists for amazing presentation. I have three basic comments. I was quite involved in the negotiations for the International Conference for the Great Lakes. In 2006 was that pact on peace development and a special protocol on the illegal exploitation of resources within the Great Lakes region, including DRC. I want to know to what extent is the church in DRC involved with that process of the International Conference for the Great Lakes, and how can we use that as a mechanism for accountability? Secondly, Gillian, on your presentation on dialogue with the private sector, I struggle with dialogue without addressing impunity. What are the measures of addressing impunity by private sector? Because we know when criminal acts are taken at the national level, we take the criminal justice system in the country to try to address the corruption, the criminals. What are the measures for bringing to book the international, multinational companies beyond persuading them? Because it's not sufficient to just persuade. So I'll be keen to hear a little bit more some of the discussions around addressing impunity of private sector and multinational companies who are taking exploitative measures. And the last is around tax justice. I want to really thank the presentation made earlier around tax justice. I think it's a very painful picture to see those kids without desks and to see the amount of illicit flows that is happening. How do we together as the ecumenical movement bring this as the crucial conversation on financing development at the post, as we go into the July conversations of the global financing for development, to say, my goodness me, DRC is not poor. So when we're talking about financing for development in this whole SDG, we also want to shift the discussions from Africa's poverty to actually Africa's riches, managing and enabling people to live with decency and dignity. Thank you. Thank you very much for three very pertinent points. Try to be very brief so that we can listen all five. Good morning, everyone. My name is Eve Thompson. I am based in Kinshasa. I'm the director of the office in DRC of the National Democratic Institute. And I want to thank and appreciate all the panelists for their excellent presentations. In the midst of the panel, you posed the question for us to discuss briefly what should be the priorities. And we talked a little bit at our table. And for me, maybe it's because I work in governance, corruption, et cetera, and leadership. Though that for me is the priority. And so one thing I sort of thought about was the fact that, you know, when I have a house and I invite someone into my house, it is I who assume responsibility for how the people in my house comport themselves. And I think the same applies for a sovereign country. And so the question is, how can we get Congolese officials and government to assume responsibility? My question to Francois, for example, would be, are the Glencores in the world behaving in the same way in every country? If they're in Botswana, for example, where the legal infrastructure is in place and it is applied, are they behaving differently because the government there is assuming responsibility? That, for me, is a very important question. The other thing that occurred to me, as a director of an office in the Congo, I have my own employees coming to me saying, how can we reduce the declaration of my salary because I don't want to pay taxes? So even Congolese themselves don't want to pay taxes because of what happens when it goes to the Treasury.
So why should, if Congolese people don't want to pay taxes, why should we be asking the multinationals to pay? Thank you. Thank you very much for this question. Yeah, third. My name is Wendy Gichuru, and I'm staff of the United Church of Canada and partner with the Église du Christ au Congo. I would echo the appreciation for the presentations that we have heard. My question goes to possibly all of us, but also wanting to hear back from the church representatives on the panel. What is the additional role that churches can play globally, given that many northern churches may have some conflict of interest in this conversation, in that many of our pensions are invested in some of these mining companies? And that's a question we've been asking ourselves in Canada. How do we come to these dialogue tables with the mining company in solidarity with our partners in the Global South who are affected by mining interests when we are investors in those same companies? We have a conflict of interest to declare there to both our partners and to ourselves, and to address that question, but I'd like to hear back from partners in the Congo and other places about our responsibility as your partners and as investors in some of these issues. And I just wanted to point out on the issue of governance, our governments in the North have an issue around governance as well. Just as an example, a concrete example, in the Congo, several years ago, one of the Canadian mining companies was being, their contract was being reviewed by the Congolese government. The Canadian government pressured other donors, donor nations, including the World Bank, to revoke or to hold back on odious debt, forgiving odious debt to the Congolese government because of the interests of their mining company. So I just want to say that there's corruption at all levels that needs to be addressed, including in our own governments. Thank you very much for mentioning the North. Yeah, we had several number five. So you were pinned number five, I think, and then you, and then you. It's okay? Yeah. Anyway, this, we take the three and then we close. So, yes. Merci pour la parole. Mon nom c'est Jacqueline Louhahi, professeure à l'Université de Kinshasa, membre de l'Église méthodiste Congo-Ouest. Je voulais intervenir simplement pour un aspect que le révérend Félix n'a pas soulevé dans ses recommandations, c'est celui de la déforestation, parce que, comme ménagère aussi, je constate que la RDC contribue aussi à détruire son patrimoine, parce que on constate qu'il y a des camions, des baleinières avec des sacs de bois, des sacs de braise qui viennent donc de l'intérieur. On a déjà vu qu'il y a une grande partie de le quartier de Bateke qui a déjà été détruit par donc les fabricants des braises. Donc la RDC contribue à détruire le bois, et en coupant le bois, elle contribue aussi à émettre des gaz à effet de serre. Donc il entre donc de détruire donc le pays. Et je suis sûre que d'ici 2050, si on ne met pas des barrières, c'est la RDC elle-même qui va aussi jouer un rôle dévastateur pour notre pays. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui fabriquent donc les braises, qui coupent le bois. Et pour cela, je voulais soulever aussi un aspect important qui contribue à pousser les gens à fabriquer. C'est parce que donc l'État ne met pas en place donc les moyens pour permettre à la population de pouvoir donc consommer de l'énergie. Et comme il n'y a pas d'énergie, alors les gens se mettent donc à la destruction des bois pour consommer. Et pour cela, je crois que si on ne met pas des barrières, d'ici là, nous allons donc détruire notre patrimoine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est... Une minute. Oh, oui, révérend Fidèle Mwanda Mikiama, secrétaire exécutif provincial et communautaire de la commission JCP et secrétaire de la création Congo central RDC. Je voulais juste placer un petit mot sur la gestion hydraulique en RDC Congo.
Et il y a un paradoxe, par rapport à ce que le professeur a soulevé là-bas, c'est la cyberpêche ou la pêche sauvage par rapport à la réalité que la RDC vit. C'est un pays de contraste quand nous voyons que les poissons meurent de la vieillesse dans le fleuve Congo. Mais le pays n'a pas une politique réelle de pêche industrielle. Et c'est comme ça que le pauvre paysan emploie aux protéines, ça bat sur les frétins, et du coup, ça fait un paradoxe. Alors, qu'est-ce que nous pouvons proposer comme recommandation de façon que les séchards qui nous tirent à petit feu, qui sont formalisés, puissent se répéter dans un air de séplitat pour réellement prendre du vrai poisson et penser à la vie du gens. Merci. Merci beaucoup. Et dernière question. Si Symphorien Kabeya, j'enseigne le droit à Lyon depuis 20 ans au moins, et puis je vais enseigner à Kinshasa aussi. Je représente l'Église des Lumières. Je pense que dans cette salle, en mon humble avis, nous ne pouvons pas, dans 3 jours, donner des solutions concrètes à des questions aussi éminentes que celles-ci. Mais ceci étant, vous avez posé la question de savoir, par rapport aux axes qui étaient présentés au tableau, par quel axe peut-on commencer? Je pense qu'on peut prendre le risque, à mon humble avis, de commencer par la recherche ou la quête de la démocratie. Parce que s'il n'y a pas la démocratie, on ne peut rien faire, on ne peut pas condamner la corruption, on ne peut pas condamner le lobbying avec leur complicité des hommes au pouvoir, etc. Alors, qui dit démocratie passe par une élection libre et transparente, passe par le droit de l'homme. C'est vrai qu'on met dans toutes les choses le droit de l'homme, le droit de l'homme. Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Comment peut-on avoir le droit à la vie si vraiment nous vivotons? Les exemples qui ont été donnés ici, depuis la conférence nationale souveraine, depuis le conclave des professeurs en 2006, depuis les accords d'Addis Abeba, les personnalités plus éminentes que moi ont parlé ici, alors vous voyez que de tout cela, on n'a pas trouvé une solution. Alors, vous posez, vous qui êtes devant, des solutions ici, je ne sais pas. Mais ayons au moins le courage, en tant que conseiller communique, d'en proposer et d'en adopter une. Je vous remercie. Merci beaucoup. On en a entendu beaucoup de remarques très, très importantes et je suis convaincu que vous allez continuer ces 2 jours. Mais juste des réponses très brèves des participants du panel. Gillian, impunity. What can we do about it? Thank you. One sentence. Easy question. Absolutely excellent point. Maybe to clarify where the application of dialogue may be used. I mean, I think in cases of impunity and criminal acts, I mean, we really need, it goes to the question on governance. What are the structures? How do we expose? What are the vehicles to address that are transparent and fair for all, whoever's committing, not just the multinational companies? But I still believe, and back to my days as a community development worker, that you know we engage either through force, power, or dialogue. I still think dialogue is the most powerful of all. We obviously need to exercise power at times through law and legal exercise, but I think the ability to engage through dialogue with that is still some of the most powerful and positive outcomes I've ever seen in conflict situations around a mining situation. But also we need that governance in place, and I think that's the most critical that we need here. Thank you very much. François, tax justice, simple question, how to improve? Of course, there was a question, why should we demand from companies that have paid taxes if Congolese themselves don't want to pay taxes? Of course, I mean, nobody likes to pay taxes, I don't as well, but somehow I think if you improve governance and accountability that people can see, okay, if I pay these taxes, then this school is built and this road is being repaired, then it makes more sense. But probably it's a more wider issue, I would say. We also, for example, supporting an organization called the Tax Justice Network for Africa, based in Kenya. And they're working, for example, with the African Union and with different governments on this issue of how do we tax multinational companies, which is obviously is complex, and we have to find a way that multinational companies can be taxed in a fair way and not shift their profits simply in tax havens.
So I think this is what we can do. And it was also the question, is Glencore behaving differently in other countries? I don't think so. We have many scandals, an example in Zambia, in Colombia, in South Africa, many problems with pollution, delocalization, and so on. What works, I think, is international pressure. So, for example, when something came out in the media, then they reacted very quickly. So as soon as it becomes public and in the media, then we can see a reaction. And also international regulation, improving international regulations at the level of UN and mandatory principles. Thank you very much. To the other side, governance, leadership, you mentioned, how to improve leadership. UPC, l'Université protestante du Congo, est une des universités clés qui forme les leaders, donc beaucoup de leaders en RDC étaient vos élèves, je m'imagine. Donc, comment améliorer l'éducation aussi dans les églises protestantes pour un leadership responsable? Merci, Paul. Je pense que le travail que nous avons fait ici, c'est d'abord montrer le rôle de l'Église dans la gestion des ressources naturelles et puis comment l'Église contribue-t-elle dans la formation, comme vous l'avez dit, de leaders. Les questions des ressources naturelles, les questions de formation, c'est aussi ce que nous appelons les questions éthiques. Le code d'éthique, nous insistons beaucoup plus sur le fait que l'Église ne doit pas être à marge de ce qui se pose comme problème. Nous devons avoir des leaders qui sont d'abord éduqués sur le plan éthique, avoir une vision globale, avoir une vision non seulement anthropocentrique, mais aussi une vision écologique. Nous avons insisté sur le fait que dans notre pays, la problématique qui se pose, c'est la question de la bonne gouvernance, et puis la problématique des textes. Il faut que ces textes soient vulgarisés, que ces textes soient quand même, il faut que les gens soient informés sur ce qui se passe et comment les choses sont gérées. C'est aussi notre rôle en tant qu'éducateur d'aider nos étudiants à s'imprégner de ces textes et à comprendre comment est-ce que l'Église doit contribuer à la gestion des ressources naturelles. Merci beaucoup. Et Félicien, pas mal de questions étaient adressées aux églises, donc vous comme représentant de l'ECC pour le développement, les questions de la Conférence internationale Grand Lac, la question du rôle des églises, aussi des églises du Nord. Est-ce que vous, quel est votre challenge our churches in the North, et d'autres, juste bref, en quelques points. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que le fait pour l'Église de Christ au Congo de s'engager dans une discussion comme celle-ci, nos églises font partie intégrante des différents acteurs qui travaillent dans le cadre de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Et nous avons des représentants qui participent régulièrement à tous ces différents travaux. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que il faut un système de relais entre les grandes orientations qui sont prises au niveau de la conférence des Grands Lacs. Il faut qu'il y ait un relais avec les communautés de base. Et ce travail-là est en train d'être mené par différentes structures au sein de notre Église. C'est pour cette raison que nous avons des structures telles que la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création, qui est une partie intégrante. Nous avons aussi certains représentants de l'Église qui jouent un rôle assez important au niveau de la conférence. Je vois Monseigneur Kouye, qui est de l'Église de Christ au Congo, et qui est très souvent impliqué dans toutes ces discussions au niveau
il est peut-être qu'il va donner une précision, mais si vous voulez que je termine d'abord ce que je voulais donner comme précision, comme ça Monseigneur pourra compléter pour donner la vraie implication de si notre vous Église. Permettez peut-être l'après-midi parce que si ça va, on a encore le moment. Bien, alors moi je voulais donner une petite observation en rapport avec une question qui a été posée sur l'impunité. Je voulais compléter ceci. Au niveau du Nord, il existe un certain nombre de discussions qui se font, par exemple au niveau de l'Union européenne. Nous savons qu'il y a des clauses contraignantes et des clauses qui ne sont pas contraignantes pour qu'on regarde comment est-ce qu'on peut jeter un regard sur l'implication des multinationales dans certaines fraudes qui se remarquent dans les pays sous-développés. Si nous mettons, nous prenons l'exemple du gouvernement américain qui a pris une disposition, une loi, la loi Dodd-Frank, pour essayer un peu de jeter un regard sur la traçabilité des différents contrats et autres. En Europe, il y a cette discussion au niveau de l'Union européenne sur des clauses contraignantes. Il n'y a pas de clauses contraignantes. Bon, c'est presque des déclarations d'intention. Il est important qu'un travail soit fait, qu'on continue à renforcer ce travail-là. Discussion que les ONG européennes mettent déjà sur la table pour que l'Union européenne puisse adopter ces mécanismes-là de contrainte. Et ensuite, pour enchaîner sur une autre question qui nous a été posée sur la déforestation, c'est vrai que, faute de temps, je n'ai pas abordé tous les aspects, mais quand vous regardez dans les perspectives que nous avons tracées avec toutes les communautés, il y a le cinquième axe de notre action qui s'intéresse sur l'environnement, la gestion de l'environnement, les aspects de changement climatique. Et là-dedans, il y a un travail que nous avons fait, un atelier où nous avons fait des projections, et je crois que c'est dans ce sens-là que nous aimerions voir comment est-ce que l'Église peut finalement s'engager dans cette question de la déforestation et mener des actions là-dessus. Oui, on va avoir la possibilité encore de continuer ces trois jours. Je dois terminer ici, mais je remercie vivement. Il y a une remarque de Révérend Millenguet, juste comme exception. Une minute, oui. Deux minutes. Je disais que la remarque est que l'Union européenne, le Parlement européen, venait de voter déjà une loi pareille. Mais ce que nous demandons aux collègues des ONG, c'est qu'ils disent pour qu'on mette le mécanisme de mise en application de cette loi-là. Exactement. C'est toujours cette question, quels sont les mécanismes et comment ils sont contraignants ou pas. Je retiens trois remarques. Je crois que le plan stratégique est très riche déjà. Donc, comment appliquer, comment avoir les ressources et comment ça peut impliquer aussi cette dimension des ressources naturelles, des mines et de l'environnement. Deuxième, je crois qu'on a beaucoup parlé de la gouvernance comme question clé. Quelle est vraiment la contribution des églises dans cette question, et le troisième, le dialogue, et j'aimerais peut-être personnellement demander aussi que le World Economic Forum cherche aussi d'inclure les églises de la RDC et des autres, comme le dialogue est déjà en route, pour élargir le réseau, parce qu'on voit que les églises en RDC font quand même, ils sont très proches de la base, ils écoutent les voix des sans-voix, et comme ça, de faire ce lien, on est bien disposé à faire le lien nécessaire. Merci beaucoup pour toute votre attention, et je
rends à toi pour le mécanisme de manger. Merci Christophe.